the revolution has now begun. Partout parce qu'il y a des tas de gens sur les routes qui commencent à chercher où ça se passe. L'infoline elle a été lâchée il y a une heure à peu près. Sur les contrôles péage, etc., ils se sont rendus compte qu'il y avait une migration de gens qui viennent de la Savoie, de la Normandie, du Nord. Voilà, donc on va avoir du monde. La jauge elle va vraiment monter. Donc tout le monde est bien reposé là. Il y a 7000 personnes, les organisateurs disent qu'il y a 5000. Et les gens commencent à partir parce qu'il pleut. Sud-ouest, en Ariège. En sud-est, il y a une teuf qui a posé, qui a été chassée. Et il y a le Tipeee et 3132, c'est l'association de Marseille, qui sont en râteau derrière des sons pour essayer de poser. En Bretagne, ça essaye de poser sur deux sites en ce moment, ils ne savent pas encore. À Tours, ils ont posé hier. Ouais, tout ce qu'il faut. Il y a des capotes, il y a des fémidons. Des capotes, c'est pas pour moi alors. On sait jamais, tu vois, prendre une dalle. Bon, le stand de réassurance, c'est qui les réassureurs? On a levé la main. Qui c'est qui est référent chez les appelants? Pas en maraude comme des gueudins, on s'énerve pas avec les teufeurs, les brancardiers vous calmez les gens autour des soignants, on arrive en marchant sur l'événement. Les soignants, vous essayez de savoir ce qu'il a pris comme prod, mais en général on le lâche assez vite, même si c'est à voix basse, pour avoir un peu de notion sur la clinique hallucinée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a pris. Brancardage, c'est les costauds qui portent, bien évidemment. Les brancards, ils sont là-bas derrière. Et alors, on ne part pas sur une intervention comme des barjots. On attend de partir, que tout le monde soit là. Le médecin, le soignant, les brancardeurs, le machin, le toki. On prévient quand on part sur une évac. Il y a des fois où il y a plusieurs mecs qui viennent pour le même incident. En panique, ouais, il va mourir, machin. On a déjà une équipe qui est partie, on en fait partir une deuxième. Non, on calme le bonhomme, on essaie de savoir si c'est vraiment le même incident ou pas. Voilà, on essaye de canaliser le bordel, parce que par exemple la Quetta, ça peut être des comas comme on l'a vu l'année dernière, un peu partout en même temps. Donc c'est des comas plus ou moins profonds, ça inquiète les teufeurs, mais c'est pas si grave. Enfin bon, en même temps, derrière chaque coma, il y a un risque majeur.
Médecins du Monde a développé dès les années 87-89 des dispositifs de réduction des risques liés aux usages de drogue. Programme d'échange de seringues et programme méthadone. Et c'est dans ces programmes qu'on a pu rencontrer du public qui organisait ou participait à des événements festifs type Free Party et Technival. Ce public nous a sollicité pour observer les prises de risques éventuelles et pour développer une veille médicalisée de première ligne parce qu'il rencontrait de plus en plus de problèmes sanitaires sur site et nous demandait si Médecins du Monde pouvait développer une action de réduction des risques adaptée à ce contexte. Nous avons développé sur ces événements festifs la veille sanitaire, mais aussi des actions d'éducation à la santé liées aux usages de drogue. Ensuite, les dispositifs de droit commun se sont de plus en plus impliqués. SAMU, pompiers, Croix-Rouge, les associations de santé communautaire et de réduction des risques ont investi le milieu festif. Dès 2006-2007, Médecins du Monde s'est posé la question du transfert vers les dispositifs sanitaires pour partager la connaissance que nous avons pu développer autour de la clinique hallucinante. Et puis, on se sentait de plus en plus instrumentalisé par le ministère de l'Intérieur qui nous demandait de jouer un rôle qui n'était pas du tout le nôtre. Pendant longtemps, ils nous considéraient comme des médiateurs entre les services de l'État en région et les sous-systèmes. Or, ce ne sont pas du tout nos objectifs. Nous, nous étions présents pour assurer une veille sanitaire. En l'occurrence, nous étions en désaccord avec le ministère de l'Intérieur qui priorisait une politique sécuritaire et pénale pour ces événements en opposition avec le sens sanitaire de l'action de Médecins du Monde. Par ailleurs, ces 14 ans d'expérience en milieu festif démontrent que si les services de l'État impliquent en amont les partenaires sanitaires et les associations, pompiers, SAMU, Croix-Rouge, auto-support, les événements se passent sans problème majeur. La mission Rêve Paris a donc fermé fin 2010 et transféré ses activités vers la Croix-Rouge française et les associations de réduction des risques. Les programmes de Médecins du Monde en région centre, Languedoc, Roussillon et PACA poursuivent activement leurs actions en partenariat étroit avec les dispositifs de réduction locaux et les acteurs culturels de la technofrie.